semaine se déroule parfaitement bien. J'essaie de savourer chaque petit instant, de trouver du positif dans chaque chose pour garder ma motivation, garder mon optimisme chaque jour, l'un après l'autre. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu discuter avec toi. Mon fils a eu un petit coup de moins bien courant de la semaine dernière. Il m'a appelé, il m'a fait part du fait que voilà, il est très très heureux dans sa nouvelle école. Il est super heureux d'être dans un super cadre d'apprentissage. Mais c'est sûr que ça n'est pas évident d'être à l'internat, de ne pas pouvoir tous les jours rentrer le soir à la maison, de ne pas pouvoir échanger de la même manière au quotidien. C'est vrai qu'on est très très fusionnel avec mon fils, donc forcément c'est un petit peu particulière cette année avec l'internat. Et en même temps, ça a été son choix. Il est ravi de pouvoir se consacrer à ses études. Mais forcément, il y a des petits moments de moins bien, des petits moments de blues. Comme parfois on peut avoir le blues du dimanche soir. Donc du coup, je lui ai conseillé quelques-unes de mes vidéos déjà à regarder pour qu'il garde bien sa confiance en lui. Ça lui permet aussi d'avoir un lien avec moi et de pouvoir s'endormir sereinement. J'ai beaucoup discuté avec lui aussi pour remettre par écrit toutes les raisons qui ont fait qu'il a voulu justement aller à l'internat. Et il y a plein de points positifs bien sûr à l'internat. Et puis comme ça, il s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait beaucoup plus de points positifs que de points un petit peu contraignants. Donc petit à petit, ça a reboosté un petit peu sa motivation. Et puis je lui ai dit que c'était tout à fait normal de ressentir ses émotions. Voilà, il fallait pas culpabiliser. Par moment, on peut avoir un petit coup de moins bien ou un petit moment de doute. Mais dès qu'on se reconcentre sur son objectif de vie, sur les raisons aussi de ses choix, et bien tout à coup, tout redevient limpide et on retrouve une grande sérénité. Puis je lui ai donné un petit support pour pouvoir mettre des photos. Je lui ai donné plusieurs photos, comme ça il a l'impression qu'on est tout proche de lui. Je lui ai donné également un petit bracelet avec des pierres pour que ça l'accompagne et que ça lui amène aussi beaucoup de sérénité, que ce soit comme un petit peu de nous avec lui. Il a toujours son petit talisman, sa pierre, qu'il peut serrer très très fort. Puis bien sûr, voilà, on peut s'appeler le soir chaque fois qu'il en a envie. Je pense que c'est important comme ça d'amener plein de petits éléments réconfortants. Puis tu sais que chaque week-end, j'adore l'accueillir avec un cadeau. Et là, je me suis dit pour l'occasion et pour le rebooster. Il se trouve que il y a un petit personnage qu'il adore, c'est Donkey Kong. Et ça, c'est un petit personnage que j'ai mis sur son bureau ici à la maison, comme ça le week-end quand il fait ses révisions. Je lui redis que voilà, c'est le plus fort qui va y arriver, qu'il est fort et que il va continuer à apprendre encore et encore, à grandir et à devenir le meilleur. Et je me suis dit que pour lui faire une surprise, j'ai fait imprimer ceci. Tadam! En fait, j'ai envoyé la photo du singe Donkey Kong. C'est une entreprise qui s'appelle Luxbon, qui notamment fait comme ça de la personnalisation de coussins. Donc on envoie une photo et puis tu vois, ils le mettent sur une housse de coussin. Et je suis trop contente parce que ça rend vraiment super super bien. Donc là tu vois tous les petits détails qui sont trop bien représentés. Et en fait c'est sur une housse qui est toute douce. Je trouve ça extra pour un coussin. D'ailleurs, je te mettrai le lien vers leur site dans la description parce que je trouve que ça peut faire des belles idées de cadeaux. On peut mettre la photo de quelqu'un, on peut mettre un paysage souvenir, tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai fait imprimer ce petit Donkey Kong. Et d'ailleurs, si je te trouve un code promo aussi, je te le glisserai dans la description. Je vais aller voir sur leur site. Ou demander si on peut en avoir un. Et alors,
j'ai mis un gros oreiller dedans, donc il peut même dormir dessus. Et en fait, c'est un lien qu'on a, je dirais, au travers de Donkey Kong, parce que depuis qu'il est tout petit, on adore jouer à ce jeu vidéo ensemble. On adore parce que Donkey Kong, il y a le grand, et puis il y a un petit. Et le grand, il aide le petit aide le grand. Donc ça fait un petit peu comme lui avec son frère. Et je trouve qu'il y a toutes ces valeurs de solidarité et d'entraide. Et puis c'est un jeu où on va dans plein de mondes différents, les mondes aquatiques, je crois qu'il y a aussi des déserts. Enfin, nous on adorait les paysages. Donc c'est vrai que Donkey Kong, il nous a accompagnés au fil des années avec les jeux vidéo qu'on adore. C'est pour ça que quand j'avais trouvé ce petit personnage, je lui avais pris. Parce qu'en plus, tu vois, il y a le côté, voilà, entraide pour nous quand on voit Donkey Kong. Il y a le côté force, bien sûr, parce qu'on essayait toujours de gagner. Il arrivait à vaincre les méchants, notamment les boss de la fin. Et en même temps, il est très très gentil. C'est une puissance qui est mise au service du bien. Donc là, je me suis dit qu'en voyant ça, tu vois, il m'entendrait lui dire tout va bien aller, et puis tu vas réussir tes examens, tout va bien se passer, tu vas réussir ta vie. Il va pouvoir s'endormir dessus tranquillement le soir, ou peut-être même le mettre comme ça sur son lit à côté de son bureau, et puis quand il travaillera le soir, il regardera, il aura l'impression que je suis un petit peu avec lui, je suis un petit peu à côté de lui. C'est un petit peu notre personnage, un peu totem, on va dire. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Voilà, j'aime bien lui faire des petits clins d'œil comme ça. Et là, je me suis dit, ça peut être quelque chose qui peut ramener à l'internat. Après, il y a plein de côtés positifs à être à l'internat parce qu'il s'est fait énormément de nouveaux amis, des gens qui viennent d'horizons divers et variés, des gens qui ont vécu plein de belles choses et avec qui il peut partager. Et je trouve que d'être à l'internat, ça permet d'avoir du temps le soir, même au moment du repas qu'ils partagent ensemble. Voilà, pouvoir se raconter un petit peu ses expériences de vie. Pouvoir rigoler ensemble, s'aider aussi pour les devoirs. Le soir, ils ont un petit temps où ils peuvent aller ensemble dans une salle pour travailler leurs devoirs ensemble. Et ceux qui sont plus forts dans une matière peuvent aider les autres et réciproquement. Je trouve que ça apprend aussi à se débrouiller. Enfin, moi, je vois qu'il s'est énormément développé, qu'il a grandi hyper vite en quelques mois déjà. Parce que mine de rien, à l'internat, bah, il faut faire un petit peu son ménage. Il faut savoir faire son lit. Il faut se débrouiller pour ramener de la maison le linge. Donc, gérer un petit peu les quantités de vêtements, à quel moment on ramène les draps, etc. C'est des choses, je dirais, en temps normal, quand on est à la maison avec ses parents, on n'a pas forcément à y penser. Et là, il est obligé de penser à tout ça, en plus. Mais je trouve que ça l'a fait vraiment mûrir. Même de savoir comment prendre le train, par exemple, comment se débrouiller aussi pour trouver à manger. Enfin voilà, comment est-ce qu'il organise un petit peu ses journées, sa vie, en dehors de l'école. C'est vraiment une super école de la vie. Et en même temps, il n'est pas tout seul, bien évidemment. On peut s'appeler, il a ses amis qui peuvent l'aider. Et je trouve que c'est super parce qu'effectivement, il réfléchit beaucoup à son avenir, il organise, il planifie. Il réfléchit énormément et ouais, je le trouve vraiment grandi de jour en jour, de semaine en semaine. Et toutes les personnes à qui j'ai parlé de l'internat m'ont dit que c'était presque leurs plus belles années dans leur vie. Qu'ils gardaient vraiment des souvenirs très très positifs de l'internat. Parce que finalement, ils se sont fait des amis pour la vie. Le soir, ils rigolent. Enfin voilà, il y a quelque chose qui les relie parce qu'ils sont un peu loin de leur famille. Mais ils ont tous cela. Donc c'est leur point commun. Et donc, ils vont s'entraider justement entre amis. Pouvoir se parler. Et comme ils ont un peu les mêmes émotions, tu vois, je pense que ça les aide aussi à se le dire entre eux. Donc je suis contente aussi de pouvoir lui trouver
Aujourd'hui.